site dont j'ai jamais entendu parler en attente versus réalité, c'est Kokomi. Donc on y va, c'est parti, on va essayer ça. Coucou, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans cette vidéo pour vous parler d'un site dont j'ai pas encore entendu parler en attente versus réalité sur YouTube. Je me suis dit que ça pouvait être sympa de tester ça avec vous. Le site m'a contacté, il m'a proposé de choisir 5 pièces sur sa boutique et j'ai les 5 pièces là devant moi. J'ai reçu le colis hier, j'ai juste ouvert le gros sac mais j'ai pas ouvert les petits sacs où il y a les vêtements parce que vous m'avez dit que vous préféreriez quand vraiment je découvre vraiment tout ça avec vous. Donc on y va, c'est parti. Il y a un maillot de bain, il y a... Et après c'est que des robes, dont une robe un petit peu pour les fêtes que je garderai pour la fin. Donc on va commencer par le maillot de bain. On les reçoit dans des paquets comme ça, où il est écrit, je sais pas si vous allez voir, il est écrit Kokomi, voilà. Tous les liens sont en barre d'infos, j'ai un code promo pour vous également, je vous le mets en barre d'infos et je vous le remets là tout de suite. Donc on va regarder ce petit maillot. Comme dans toutes les attentes versus réalité, je vous mets les prix, la photo et tout avant l'essayage. Et si vous voyez une montagne de carton là derrière, c'est des trucs que je dois amener au relais. Alors, oh, qu'est-ce que c'est que ça? D'accord, donc il y a une petite étiquette à chaque fois, enfin à première vue, parce que je vois qu'il y en a d'autres dans d'autres paquets, qui sont glissés comme ça dans les paquets. C'est écrit Kokomi size 14-26, et tout en bas c'est écrit quoi? Kokomi.com. Et derrière vous avez une petite dame comme ça. Donc c'est un site grande taille Kokomi, donc il fait vraiment que des grandes tailles. Alors, premier article, donc c'était le maillot de bain, donc il se présente comme ceci. J'aime beaucoup la teinte. J'aime beaucoup noir comme ça avec des petits imprimés un peu mandala comme ça, c'est joli. Donc écoutez, alors il est doublé également que sur l'avant celui-ci, pas sur l'arrière. Ça m'a l'air petit, ça m'a l'air très petit, pourtant je crois que je l'ai pris en taille assez grande. Et au niveau du haut, donc il se présente comme ça. Alors attendez, qu'est-ce que c'est que ça? Tondez. Oui, ok, d'accord. Donc ça se noue autour du cou. Vous avez deux fils. C'est original comme façon de faire. Enfin bref, vous avez deux fils comme ça qui se nouent autour du cou et vous avez le maillot de bain qui est tout simple. Donc voilà, avec les mandalas également comme ça, noir. Et vous le resserrez à l'arrière par le petit nœud. Il est beau, franchement il est sympa. Vous avez des petites coques également que je pense vous pouvez enlever. Oui, comme d'habitude. Je l'aime bien celui-ci, il est joli. Même à portée dissociée du haut et du bas avec un haut noir basique ou une culotte noire basique, à voir, mais j'ai un peu peur que la culotte soit un poil petite. À voir, on va voir ça tout de suite. Alors le haut du maillot, bon, j'ai laissé mon soutien-gorge à moi en dessous pour vous montrer rapidement. Le haut du maillot est très, très joli, le décolleté est très sympa, franchement il tient bien. Les coques je les ai laissées mais je pense que moi je vais les enlever pour le porter. Ouais, celui-ci je le porterai c'est sûr. Ah ouais, si je vous le montre mieux c'est mieux. Voilà, il est vraiment très joli. Derrière c'est bien et tout, hein, y a pas de souci. Par contre la culotte c'est même pas la peine, c'est beaucoup trop petit. Donc voilà, le haut je le porterai avec un bas noir tout simple. Voilà, voilà, celui-ci je recommande pas trop parce que la culotte est vraiment petite mais le haut est très bien. On voilà. Continue avec une robe. Oui, j'ai pris des imprimés un petit peu spéciaux mais j'aime bien ça en ce moment. Vous avez la ceinture fournie avec, donc c'est une ceinture tissu comme la robe, tout ce qu'il y a de plus basique. Donc la robe en elle-même c'est un tissu un peu satiné, c'est pas très très épais, je sais pas si vous allez voir mais c'est pas très très épais, mais bon c'est un tissu un peu chemisier en fait. Voilà, de toute façon c'est une robe chemise, donc au niveau de l'imprimé c'est assez assez pétard quand même. Elle m'a l'air assez longue, je pense que c'est un peu midi. Les manches sont normales, hein. Il y a un petit bouton, voilà, rien de particulier. Niveau qualité, c'est un peu fin quand même, hein. C'est un petit peu fin. Les boutons sont vraiment très très basiques. C'est un bouton blanc basique comme ça qui fait un peu penser à une blouse. J'aurais préféré des boutons un petit peu plus qualitatifs. Si elle me va et que je la garde, je ne suis pas contre changer les boutons éventuellement. Et en bas, vous avez une bande qui est totalement différente de la robe, comme au niveau des manches. Voilà. Elle est jolie, hein, elle est jolie, mais la qualité, c'est... Il n'y a pas de fil qui dépasse ni rien, mais c'est vraiment très fin. Très, très, très fin. Donc, pourquoi pas mettre au-dessus, vous savez, d'une robe...
un fond de robe, une robe toute simple, un peu comme une que je vous ai présentée récemment, style robe débardeur et tout, ça peut être bien. Mais elle est jolie, j'aime beaucoup l'imprimer et tout ça, mais la qualité, mitigée. Alors pour celle-ci, la robe chemisier, donc les manches sont bien longues, vous pouvez les remonter aussi un petit peu, ça tient bien au bras, donc ça c'est cool. Au niveau du col, il descend bien celui-ci, vous verrez pourquoi je vous dis ça après. Au niveau de la forme, bah, écoutez, elle est un peu large pour moi, je dirais que j'aurais pu prendre une taille en dessous, mais bon c'est pas non plus horrible. Au niveau longueur, on n'est pas trop mal. Ouais, c'est pas non plus la révélation de l'année cette robe. Peut-être en la ceinturant. Ouais, attendez, voilà, je vais essayer. Peut-être porter comme ça, vous savez, en la ceinturant avec la ceinture d'une robe que vous allez voir après. Ça peut être sympa parce que la ceinture de la robe, c'est pas très joli, mais cette ceinture, elle peut faire sympa. Voilà, en ceinturant, éventuellement, ça peut le faire. C'est pas trop moche, mais bon, c'est pas non plus. Ouais. Celle-ci, je suis pas trop emballée. Ouais. Non, je suis pas trop emballée. C'est pas la révélation de l'année pour celle-ci. Elle est sympa, mais bof. Oula. Alors, c'était quoi celle-ci? Ah oui, c'était la robe blazer. Alors, j'ai suivi le guide détail pour chaque article, comme je fais d'habitude sur les sites un petit peu asiatiques. Ça m'a l'air hyper grand. Donc, c'est une robe blazer qui se présente comme ça. Donc vous avez des boutons sur l'avant, j'ai voulu essayer la robe blazer. Vous avez au niveau des manches, les manches un petit peu dentelles comme ça. Par contre, je ne sais pas si vous allez vous en rendre compte, mais comment je peux vous montrer ça sur la manche peut-être. C'est un tissu extensible, enfin un petit peu extensible, un petit peu satiné. C'est très léger, c'est pas du tout du blazer. Hein. Franchement, ça portait, ça, je pense que ça n'a aucune forme. À voir. Mais par contre, ça m'a l'air très long encore. Autant sur les sites asiatiques, en général, les robes sont assez courtes. Autant là, ouais, ça m'arrive mi-mollet, quoi. À voir porté, mais mitigé, hein. Alors pour celle-ci, eh ben, ouais, franchement, je suis pas hyper fan. Au niveau de la taille, on voit, en plus ça s'ouvre à mort. Hop, au niveau, si je mets un truc, ça devrait le faire, mais bon, ça fait une rubique là. Au niveau de la taille, on n'est pas si mal que ça finalement. Mais alors, les manches, c'est assez joli, franchement, je trouve ça sympa. Mais alors, elle est hyper longue, j'ai l'impression d'avoir une blouse. Vous savez, les blouses que les profs mettaient dans les années 50, là, voilà. J'ai l'impression d'être en blouse de maître d'école. Ouais, non. Franchement. Et puis là, sur les côtés, ça fait... Normalement, je pense qu'elle devrait être plus cintrée que ça. Donc, ça fait des trucs bizarres, là, sur les côtés. Ouais, non. Celle-ci, je pense qu'elle est trop grande, en fait. Donc, voilà. C'est dommage parce qu'elle est jolie, mais... Enfin, elle est jolie. Il y a de l'idée, mais bon, la matière et tout, c'est pas top. Donc, celle-ci, je vous la recommande pas du tout. Alors, là, j'ai une ceinture... Donc une ceinture qui a l'air assez grande quand même, avec une boucle dorée. Voilà, c'est assez rare qu'on ait les ceintures avec les robes, donc... alors c'est un peu, je vous avouerai, c'est un peu le même motif, quoique c'est le même motif que la robe chemise, la première robe chemise que je vous ai présentée. Mais celle-ci, de mémoire, c'est une robe style cache-cœur sur le haut, une robe longue style cache-cœur sur le haut qui est plissée dans le bas. Je l'ai trouvé très jolie. Alors c'est un style que je ne porte jamais d'habitude, mais là j'ai eu envie. Donc les manches sont basiques, il n'y a pas de bouton au bout. Comme je vous disais, vous avez le petit col chemisier, mais vous avez le décolleté cache-cœur qui est refermé là. Voilà, et tout en bas, toute la robe, elle est plissée comme ça. Je sais pas pourquoi, je me suis dit, je vais essayer de me reculer pour vous la montrer bien. Je me suis dit, celle-ci, elle a un style bien à elle, qui m'a l'air assez joli. Et pourquoi pas, mis avec la ceinture, ça peut être sympa. Avoir porté, je sais pas du tout si ça va m'aller, mais celle-ci, je la trouve très jolie. Ouais, ça c'est... Ouais, ça j'aime bien ça. À voir. Bon, bah les gars, on se retrouve face à un coup de cœur. Elle est magnifique cette robe. Donc au niveau des manches, on est comme ça, elle est hyper douce à porter, c'est trop agréable. Au niveau du décolleté, comme vous pourrez le voir, c'est très plongeant. Mais bon, rien ne vous empêche de mettre un petit, une petite épingle à nourrice là pour tenir le truc, il n'y a pas de souci. Au niveau du col, je vais essayer de vous montrer, le col, il est assez loin derrière. Ce qui est un peu dommage parce que j'aurais préféré qu'il redescende un peu plus, mais bon, il est fait comme ça. Voilà, hein, au pire des cas, je le remettrai à l'intérieur, ça se verra pas, mais bon, c'est pas...
c'est pas dérangeant non plus en soi. Au niveau de la ceinture, pour une fois elle passe, parce que j'ai déjà acheté des tenues en grande taille et les ceintures passaient pas, donc c'est assez joli de ceinturer cette robe, je l'aime beaucoup et la ceinture me resservira aussi autrement. Et cette robe, regardez-moi ça, je la porte là, j'avais des bottines aux pieds, c'est très joli, j'adore. Alors après je sais, cet imprimé ne peut pas plaire à tout le monde, mais alors avec le plissé et tout, je me demandais si ça pouvait m'aller ce petit truc, mais ouais, j'aime beaucoup, franchement j'aime beaucoup. Bon, c'est dommage qu'il n'y ait pas de passant pour la ceinture, parce que du coup la ceinture se fait la malle tout le temps. Alors, je me regarde dans le miroir sans vous, en vous parlant, mais j'adore. Enfin, cette petite robe, attendez, je vais vous montrer. Vous claquez le petit perfecto au-dessus de cette petite robe, mais alors elle a une classe, mais une classe folle quoi. Elle tombe pile poil bien, j'aime bien la longueur de cette robe. J'adore le plissé soleil un peu années 80 en bas. J'adore, elle est trop belle. C'est réellement un coup de cœur pour celle-ci. Après, je sais que ça peut ne pas plaire à tout le monde. Celle-ci, je valide à 100%, elle est trop belle. Dernier article de cette commande, j'en attends beaucoup. Alors pourquoi j'ai pris cette robe, vous allez voir, c'est quand même assez épais hein. Parce que la dernière fois dans ma vidéo où je vous présentais trois très jolies robes Gigi's House, vous m'avez dit mais pourquoi que du court et tout, t'aurais dû prendre du long. Et bien là c'est un mitigé. Il y a du court, il y a du long, on va voir ce que ça donne, parce que je sais que vous cherchez de très jolies robes pour les fêtes, donc je me suis dit que ça pouvait être sympa d'en essayer une. Donc elle est bordeaux, en plus elle est pas noire, vous voyez, je suis ce que vous me dites hein. Et c'est joli, hop, je vais y arriver ou pas, elle est jolie, ça m'a l'air hyper long par contre. L'arrière m'a l'air hyper long. Alors c'est une robe bordeaux comme ça, qui est toute en dentelle sur l'avant. Vous avez un petit jour en V comme ça. Elle est doublée. C'est assez épais en plus la doublure. Elle est mignonne comme tout. Et sa particularité, hop, attendez, je vais reculer. Elle est plus longue devant que derrière. Et derrière, vous avez une très longue traîne. Portée, ça ira mieux parce que là, franchement, c'est compliqué. Mais franchement... Franchement, la dentelle du dessus est assez épaisse et la qualité de la doublure, elle est impressionnante, c'est très épais. C'est un tissu satiné mais très épais, franchement elle est très jolie celle-là. Ouais, elle est lourde et tout, je crois qu'elle n'était pas très chère en plus. Donc ça peut être une bonne idée pour une robe pour un mariage ou pour les fêtes, pourquoi pas, si vous voulez vous habiller un peu stylé pour les fêtes, ça peut être top. Donc je vais l'essayer, j'en attends beaucoup, j'espère qu'elle va aller. Alors, elle donne quoi cette jolie petite robe? Écoutez, au niveau du haut, c'est plutôt pas mal. J'essaie de pousser un peu mes cheveux pour vous montrer. Il y a juste, vous voyez, cette petite couture là qui est un petit peu trop déportée. Elle devrait remonter peut-être plus là pour mettre en valeur un peu plus la poitrine. Mais c'est pas laid, hein. C'est pas laid du tout. Ça prend bien les petits bourrelets de sous-bras. Le décolleté, c'est très joli. Vous voyez un petit peu en transparence. C'est plutôt sympa. Au niveau du dos, on est comme ça. C'est très joli aussi. Et j'ai pu la passer sans enlever la fermeture, donc ça c'est cool. Et au niveau de la robe en elle-même, je fais attention de ne pas me marcher dessus. Voilà, donc j'ai gardé les bottines, mais ça donne ça. Elle n'est pas trop courte sur l'avant, donc ça c'est cool. Par contre la traîne, vous pouvez le voir, elle est très longue. Enfin, elle est longue sans être si longue que ça, parce qu'à première vue c'est une traîne, donc il faut que ça traîne un peu, hein, c'est le nom. Voilà, elle est belle, hein. Franchement elle est très jolie. Pour les fêtes, ça peut être une petite robe sympa. Donc celle-ci, franchement, je l'aime beaucoup. Elle est vraiment très jolie, très originale. Ouais, c'est plutôt sympa. Ouais, c'est plutôt sympa, franchement. J'ai l'impression d'être une princesse dans cette robe. Voilà, avec la traîne et tout, j'ai l'impression d'être une princesse. Elle est très lourde, elle tombe très bien, le tombé est très joli. Franchement, si vous cherchez une très jolie robe pour les fêtes ou pour un mariage, celle-ci peut très bien faire l'affaire. Ouais, franchement... Ouais, je me vois bien aller à un mariage avec ça, ou même à Noël, porter ça à Noël, pour moi ça ne me poserait pas de problème. Donc celle-ci, elle est très jolie, je recommande largement. Alors, petit verdict de ces essayages, gros coup de cœur pour la dernière robe que vous avez vue, elle est vraiment magnifique, et je pense sincèrement que ce sera ma robe de Noël. Ça va être compliqué de cuisiner avec ça, mais je vais essayer de faire en sorte que tout soit fait en amont et que je n'ai plus rien à faire une fois que je suis habillée avec ma jolie robe, mais franchement elle est sublime. Si vous cherchez une robe dans ce style pour les fêtes, essayez, vous verrez, elle est magnifique. Ensuite, la robe blazer, franchement c'est pas terrible du tout,
fuyez, c'est pas la peine. La robe chemise, elle est sympa. Si vous aimez ça, prenez peut-être une taille en dessous. Si vous faites un 48, ce sera plus cintré, ce sera peut-être plus joli. Porter avec une ceinture, ça passe. Mais mon gros coup de cœur de cette vidéo, à part la dernière robe que je vous ai montrée, c'est la robe longue avec l'imprimé, enfin avec le plissé soleil. Elle est super blime, franchement j'adore ce style. Je pense que c'est un style que, je sais pas, c'est un style qui vient un peu vers moi depuis quelques temps. Et j'adore. Et je trouve que ça me va plutôt bien. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez des tenues en barre d'infos, en commentaire plutôt, parce que la barre d'infos il n'y a que moi qui peux y aller. En commentaire, je vous fais plein de bisous. Et je vous dis à très très bientôt dans une prochaine vidéo.